on se retrouve, c'est MLBG, pour un nouvel épisode de Ragnablock. Et je suis en train d'éclairer un petit peu la zone là, parce que je suis allé. Je vais faire un peu le ménage là. Ouh, ici ça l'a échappé belle. Je suis en train de faire un peu le ménage en rajoutant une nouvelle grotte. Enfin, une nouvelle partie de la grotte. On se retrouve au niveau des. Au niveau de là en fait. Voilà, on n'est pas très loin. Le truc qu'il faut calculer ici, c'est que. On n'a pas les pouvoirs du beacon. Du coup, ce que j'aimerais installer ici, c'est d'une part une machine pour dupliquer, enfin pas pour dupliquer, pardon, pour transformer le sable jaune en rouge, plus un set de beacon. Il me reste quelques beacons, donc je vais pouvoir en installer un là, et au-dessus pouvoir faire un spike de glace, mais juste au-dessus c'est l'océan, donc il faudra que je regarde exactement. Bah tiens, on va regarder où c'est, directement, Naustro. Allez. Ah oui, mais ça va me... Oh là! Ma souris était coincée. Alors normalement, si je casse celui-là, normalement ça devrait pouvoir le faire. Voilà, ça va rester dans le trou. Yes. Ok, sort. Donc si on regarde où on est... Ok, alors ça va être difficile de mettre un spike là, mais... On verra comment on va s'en sortir. Wouch! Allez, allez. Ouais, ça fera la... Non! Je suis pas d'accord, voilà. Ah mais, hé hey. Non mais sérieux, elle a décidé de me faire chier ce truc là. Ça a décidé de me faire chier, hein. Allez, moi ça, je vais reprendre de la cobble. Et on va la mettre là. Voilà. Normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. Bref, du coup, comme je l'ai dit, on va se mettre un beacon ici, quoi qu'il arrive. J'ai pas d'or pour pouvoir l'installer, donc on l'installera plus tard, mais on installera en tout cas les beacons et puis, comment dire, la pyramide d'or, on l'installera plus tard. Ça va être sur ce côté-là, je pense, que je vais installer la machine pour crafter, ou je vais peut-être là, oh, petite idée là qui m'arrive. Si je fais ça, ouais, il y a moyen. Je vais faire en sorte que ici, on mette le sable jaune. Et le sable jaune va du coup arriver bah, juste là. Et il faut qu'ici il y ait la machine en fin de compte qui va transformer le sable jaune en sable rouge. Donc bah, je vais commencer à récupérer le matos qu'il faut. Je vais re-réviser mes plans pour pas faire n'importe quoi. Et puis on se retrouve pour construire cette machine, les amis. Ok, alors en ce qui concerne le trou que j'ai fait juste au-dessus, je vais pas les faire tomber là, je vais les faire tomber un petit peu plus loin. Ce qui fait que à ce niveau là et à ce niveau là je vais mettre des dalles pour quand je vais rester clic droit ça va mettre pas du sable n'importe où. Donc j'ai changé l'emplacement de chute au niveau du sable, donc ça va être ici parce qu'en fin de compte j'arrive très proche d'un mur. Et j'ai pas envie d'aller dans ce mur là, donc on va construire par là. Et c'est ici que notre sable jaune va tomber. Donc on va construire, alors oui il faut que je me fasse voilà de la pierre taillée. Voilà, merci. Je me suis pris du quartz pour la construction aussi. On va faire de l'espace. Voilà. Et enfin, pour ce qui concerne la méca, donc on va la descendre. On va la descendre là, je pense que ce sera pas trop mal. Donc, hop, oups. Donc à partir de là, on va y mettre nos briques. Voilà. Alors, il va y avoir un trou après pour la descente de sable, mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc c'est ici que notre sable jaune va devoir tomber. Donc, si on regarde bien vis-à-vis de mes plans, il faut... Alors, soit je la construis dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Je vais peut-être la construire dans ce sens-là, ce sera plus simple. Ouais. Donc, on va se mettre un piston ici et un piston là. Avec ici, ça va être là où les blocs de sable vont tomber, en fait. Ici, ça va être là où il y aura un bloc de sable rouge. Donc, piston et piston... On recouvre tout ça pour être peinard. Ensuite, alors il y a 1, 2, 3, donc c'est juste ici. Alors on est vraiment très proche d'un mur, hein, c'est pas évident. Mais on fait avec. Je dégage ça. Alors j'ai pas ramené le sable par contre. Je vais aller chercher du sable rapidement. Parce qu'en fin de compte, dans ma grotte, j'ai déjà un convertisseur de sable jaune et rouge. Sauf que depuis qu'on est passé en 1.9, ce convertisseur ne fonctionne plus. Malheureusement. Donc il m'en faut un autre si j'ai envie d'utiliser du sable rouge. J'en utilise très peu du sable rouge, hein, on va être honnête, hein, parce que c'est une couleur chaude et moi j'utilise les couleurs froides. Mais c'est toujours bien d'en avoir une qui fonctionne. Donc le convertisseur il est là.
À l'intérieur, bah, on a du sable rouge, donc c'est très bien. Et je vais vous ramener du sable hop, jaune pour vous montrer ce que c'est censé faire. Alors le sable il est là. Voilà, un petit stack. Théoriquement, c'est censé changer la couleur du sable. Sauf que malheureusement, comme vous pouvez le voir, bah, il les garde. Et ça marche pas. Donc on va le refaire. C'est pour ça que je suis en train de commencer à construire cette machine. Alors je vous cache pas que niveau du time record vidéo, j'ai pas masse de temps. Donc la vidéo bonus d'aujourd'hui sera très court. Vous m'envoyez navré. Alors si je vise bien là, théoriquement le sable tombe bien là où je le voulais, c'est ça. Donc ça tombe bien de ce côté-là, c'est nickel, c'est justement là où il faut qu'il tombe. Alors, en ce qui concerne la méca, juste ici, on va avoir. Non, pas une goutte de redstone. Un sticky piston. Donc ça va faire office de pulse limiteur. On va récupérer le signal là. Tac, tac, tac. Voilà. Juste ici, il va falloir qu'on mette le répéteur. C'est celui-là qui est à deux tics. Parce que celui-ci, ça va être le sable rouge. Voilà. Ok, et théoriquement là. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas aussi, j'ai un bouton. Ok. Hop, on dégage ça. Ensuite, de l'autre côté, il va falloir qu'on récupère le signal. Donc, le signal, on va le ramener là-dessus. Tac, tac. Voilà. Pas sur celui-là. Ok. Bloc, bloc, bloc. Et de la redstone. Voilà. Ok. Théoriquement, c'est censé fonctionner. Théoriquement, c'est censé changer le sable de couleur. Donc, on va mettre un bouton ici pour casser le bloc. Si je clique sur le bouton que je viens de poser. Hop. Ok. Donc, il y a un souci de délai. Donc le délai, c'est celui-là. Il faut qu'il soit à 1 et lui à 2. C'est-à-dire que la chute n'est pas assez... n'est pas valable. Voilà. En ce qui concerne la chute, vous avez vu que là, j'avais mis juste un bloc de sable rouge. Et j'en ai récupéré un autre. Alors on va juste péter ça. Voilà. Donc si on refait l'exemple. Hop, hop. Là, il y a une torche. Donc ça va pouvoir faire en sorte que le bloc va se casser. Voilà, du sable rouge. Youhou! C'est super, ça fonctionne. Alors maintenant, pour rendre tout ça automatique, on va dégager ce bouton. On va ramener de la redstone ici. Voilà. Tac. On va récupérer. Oups, reviens là, toi. On va récupérer un. Ah, j'ai pas pris de hopper. C'est ça qui me manque. Il faut obligatoirement un hopper. Donc en fin de compte, il faut ramener un hopper, le remplir à mort. Donc avec 5 objets non stackables, c'est ce qu'il y a de plus rapide pour le remplir. Pour envoyer un full signal. Et à partir de là, bah, on va récupérer. Enfin, on va comparer la puissance de ce hopper grâce à notre comparateur juste là. Qui va envoyer un signal plein pot redstone pour envoyer la machine en fait. Hop. Il n'y a plus beaucoup de comparateurs, hein. Mon prochain épisode, décidé, on essaiera de se faire une petite ferme à faire dans le coin. Je sais pas où, mais on essaiera. Parce qu'il faut. Enfin, c'est décidé. Faut que je regarde où est-ce que je peux la mettre. Parce que c'est tellement blindé chez moi que c'est un peu délicat cette histoire. Donc, ouais, je disais, on va mettre un entonnoir là-dedans. Donc, je vais mettre des objets non stackables ici. Donc, là pour l'instant. Ce sera que ça, hein. Mais je vais les récupérer après. On récupère le signal ici. Et là, il faut envoyer le signal là. Voilà. Et le truc, c'est que à chaque fois que je vais envoyer du sable, ça va le récupérer. Et du coup, la ferme AFK fonctionne. Clac. Donc c'est tout con, hein, c'est tout con. Et maintenant, si on regarde bien, je peux envoyer mon sable de là-haut. Théoriquement. Donc j'ai pris mes slabs. Clac, 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 clac. On va juste reboucher ça
correctement. On va mettre des dalles comme j'avais dit. Et du coup, là, je reste clic droit. Et en restant clic droit, ça va envoyer la ferme. Bah, ça va la faire fonctionner automatiquement en fait. Donc ici, tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre des panneaux qui indiquent qu'on peut changer son sable jaune en sable rouge. Alors par contre, je sais pas pourquoi il m'a envoyé du sable ici. Hop. Ouais, faut que je regarde ça par contre. Pourquoi il m'a envoyé du sable ici? Ah, je crois savoir pourquoi. C'est peut-être parce que quand... Ouais, je pense savoir. C'est sûrement dû au fait que quand l'entité de sable tombe, comme ça, je peux pas en mettre un autre par-dessus. Je pense que ça doit être ça. Parce que normalement, là, je peux en envoyer un. Ah, c'est pas le bon. Ici. Ouais. Donc si j'en envoie deux et que j'en envoie un là. Oh non, ça va pas marcher. Bon, revenez là, vous. Mais ouais, apparemment, il y a des petits soucis vis-à-vis des entités qui se barrent. Faudra que je regarde ça. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, la méca est finie. C'est ce que j'avais envie de vous montrer. Donc je vais récupérer des objets non stackables. Et je vais m'atteler à la décoration de ça, en fait. Et puis on se retrouve une fois que j'ai fini la déco. Ouais, ça y est, c'est terminé. On a mis du sable ici pour montrer un petit peu où est-ce qu'il fallait mettre le sable. J'ai toujours pas mis de d'item frame parce que je suis pas allé les chercher. Et maintenant, les items devraient revenir par ici. Donc, on a deux stacks. On est d'accord? Je vais mettre les 48. Allez. Ça commence à monter. Au fur et à mesure, je vais plus pouvoir mettre des blocs de sable parce que on aura la grande pile. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors là, on commence à être plein là. Voilà. Là, on est plein. Et là, à chaque fois qu'on en met un, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Voilà. Et si on regarde dans le coffre, ça commence à revenir. Alors, il y a quelques fois du sable jaune qui revient. Mais ça, on verra plus tard pour le régler. J'ai une idée, sauf qu'actuellement, au niveau de la place, c'est un peu short. Mais je vais vous expliquer vite fait l'idée que j'avais envie de faire. Alors déjà la déco, je me suis pas fait chier. Hein. C'est du sable rouge et du sable jaune. Peut-être que je ferai une petite pyramide au final. J'ai pensé que après. Mais au final ici, si on regarde bien, j'ai mis du vert tout le long. Alors là par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un bloc de sable qui traîne. Voilà. Mais j'ai essayé de faire en sorte de tout bloquer. Donc ici, avant il y avait de la redstone, j'ai mis un bloc parce qu'on récupère quand même la redstone. Et c'est pour empêcher en fin de compte les entités de sable jaune de partir. Ce qui fait que les entités de sable jaune sont censées tomber dans le trou et du coup être récupérées par les hoppers. Enfin, par le hopper. Et ensuite il y a une lignée de hoppers qui ramène ça dans un élévateur. D'ailleurs, cet élévateur qui fonctionne plus ou moins bien. Parce qu'il y a encore, par exemple, là il y a un item qui reste coincé. Mais avec la quantité de sable qu'on va mettre dedans, théoriquement ça devrait pas trop poser de problème. Mais ce qui pose problème, c'est quand même ça. C'est le sable jaune qui revient à chaque fois. Ça, c'est un peu emmerdant. Et la seule solution que je me suis donné à faire pour que ce soit bien AFK ici, il faudrait que juste là, donc je vais prendre ma pelle, hop, il faudrait que juste là, j'ai un distributeur qui me distribue un bloc de sable à chaque fois que le piston se rétracte en bas. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y en a un qui va se barrer, bah, je vais avoir un bloc de sable jaune qui va arriver. Donc on aura un stock de sable jaune dans le distributeur, plus tout en bas un trieur d'items qui va trier le sable rouge qu'il va mettre ici et le sable jaune qu'il va remettre dans le distributeur. Mais au niveau du temps que j'ai pas trop le temps, donc on fera ça plus tard. Mais en tout cas en ce qui concerne la méca, elle fonctionne, c'est déjà le principal. Donc là en termes de time, je vais juste recouvrir tout ça de neige, je pense. C'est comme ça ce sera fait. Poser les 5 beacons que j'ai besoin ici pour avoir bah, les effets du beacon. Et je vais retirer ça, je vais faire une petite pyramide en grès, ça me semble pas trop mal. Pyramide peut-être en... Non, en bloc, pas en escalier, pyramide en bloc. Donc du coup on se retrouve après les amis. Yes, yes, yes. Alors, je vous avais dit que j'aurais pas eu le temps avec le temps que j'avais, du coup de faire un élévateur pour pouvoir remonter. Le sable jaune, et ben je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Juste en dessous, nous avons notre fameux dropper, donc avec du sable jaune. On va maintenant balancer bah, du sable jaune ici. Alors là, je vais retirer ça. Bon, les élévateurs que je fais, malheureusement,
Y a des, enfin, y a pas de perte, mais il y a des blocs qui restent coincés dedans. Donc, ça, à la rigueur, c'est pas très grave vu le nombre de sable, comme je l'avais dit, qu'on va utiliser. On a ici un double coffre où on peut mettre, voilà, du sable jaune qui ramène directement ici. Donc, si je mets un sable là et deux, donc j'ai 52, je devrais arriver à, voilà, 54. Donc, il m'a craché les deux qu'il y avait là. Et théoriquement, soit il y en a deux là, soit il va y en avoir un peu ici. On va attendre un peu. Soit ils sont restés coincés dans les machines aussi, c'est possible. C'est un peu long. On va balancer d'autres. Alors, on va balancer la sauce, voilà. J'étais à 54, hein. Hop, je suis à 40 maintenant. Ça clique, clique, ça clique, clique. Alors là, il n'y en a pas qui arrivent. Ah, j'ai peut-être pas remis le truc. Déjà, là, il y en a deux qui sont arrivés. Je crois savoir c'est quoi le problème. Ah zut, il faut que j'aille rechercher des répéteurs. Oh, je crois que j'ai complètement oublié de remettre l'élévateur d'items pour le sable orange. C'est pour ça que ça remonte pas. Ah, problématique. Nous allons régler ça rapidement. Yah. On va prendre des répéteurs. Et 3. Logiquement. Parce que j'ai utilisé les autres répéteurs que j'avais tout à l'heure. Deux théoriquement et voilà, ça devrait. Je devrais avoir tout ce qu'il faut là. Lag. Let's go. Pendant que j'y pense, tiens. Est-ce que c'est ici que je les ai mis? Ouais, cadre. Il m'en faut un deuxième. M'en faut un deuxième. On va faire un deuxième. On va prendre de la laine random. Voilà, du rouge, ça ira très bien. Ça lag. Théoriquement, ça devrait le faire. Hein. Ah, c'est un tableau, ça. Merde, comment on fait déjà les... Ah, c'est un cuir. Je suis con, moi. Aïe, 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 aïe. La fatigue, mes amis, la fatigue. Voilà, du cuir, j'en ai ici. En plus, j'ai des tableaux là. Clac. Et clac. Voilà. J'ai ce qu'il me faut maintenant, oh, par là-bas. Au passage, regardez ici. Il y a un petit peu plus de spike maintenant sur mon biome. Je vous inviterai à regarder le prochain épisode, donc l'épisode de dimanche, où j'ai fait un timelapse. Alors, j'ai eu des soucis avec le timelapse parce que mon PC portable refuse catégoriquement de tourner des timelapses maintenant. Donc je l'ai un peu dans le fion pour faire des timelapses, ça m'emmerde. Mais je l'ai dans le fion concrètement, voilà. C'est dit, c'est fait. Et le souci aussi que j'ai... Alors je vais prendre les enderpearls, voilà. C'est que j'ai demandé bah, justement à quelqu'un de tourner le timelapse à ma place. Alors normalement ça doit être en bas. Parce que ça c'est l'élévateur. Alors c'est compliqué parce que ça c'est l'élévateur pour celui-là. Mais celui-là il a déjà un élévateur un petit peu plus bas. Parce que j'ai ramené de la redstone là. Enfin du. Des hoppers là. Putain mais j'ai tout refermé comme un con. Ouais j'ai tout refermé comme un con. Bah écoute on va redescendre, hein, c'est pas grave. On va pouvoir descendre là. Ouais, c'est ça, j'ai pas remis l'élévateur. Donc le sable orange, voilà, il est là. Je me disais bien aussi qu'il y avait un bug dans le système. Je sais pas pourquoi je l'ai retiré d'ailleurs. D'ailleurs, juste au-dessus là, c'est là où il y a le PNJ qui farm. Donc c'est vraiment. J'ai eu Linky tout à l'heure qui est venu m'aider. Il confirme que c'est très très ricrac chez moi. Hein. Donc on avait dit qu'on ferait. Oh bon, on peut le faire d'ici. Hein. Clac, clac. Tac, tac. Deux. Et voilà. Donc théoriquement, si je remets mon sable orange, voilà, il est renvoyé. Et là, c'est bon. Parce que tout tombe ici, en fait. Et j'ai complètement oublié de remettre. Alors, on remonte par là. Y a assez de lumière ici. Voilà, il y en aura assez. Ok. Quel merdier. Je vous raconte pas. Voilà. Alors, non. Retire-moi ça. On va se mettre la carpette ici. Nos items frame. Retire-moi la carpette. J'aimerais prendre juste un sable jaune. Voilà, item frame. Donc on va se mettre là. Avec du sable orange. J'ai dit. Ah, j'ai dit du sable orange. Voilà. On voit quasiment rien. Et ici, le sable jaune. Voilà, très bien. Alors il y a une chose à savoir aussi, c'est que si je balance du sable orange là-dedans, ça va me donner du sable jaune. Par contre, je vais juste reprendre. Théoriquement, si j'en garde même
1 avec moi, ça devrait marcher, hein, en tant que usine AFK. Voilà, je récupère les deux que j'y viens de mettre. Je reste clic droit là, hein. Hop. Et du coup, ça continue continuellement à mettre mon bloc. Jusqu'à ce qu'évidemment j'ai plus de sable jaune dans le. Dans le dropper juste en dessous de moi, hein, bien évidemment. Et un peu de lag. Hein. Voilà, je le remets ici. Donc en termes de sable jaune, il me reste 25. Vas-y, pose-le. Voilà. Et ici, bah, ça continue de se remplir, quoi. Donc voilà pour la machine à convertir le sable jaune en sable rouge. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, alors pour récupérer le signal ici, je vais vous montrer comment j'ai trafiqué tout ça. Ici, c'est là où je mettrai les beacons, hein, je les ai pas encore installés. Oh non! Je voulais pas tomber. C'est pas grave. On remonte, mon ami. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Alors, ici, c'est le fameux système qu'on a fait tout à l'heure. Je récupère le signal par un répéteur là, que je balance dans ce bloc là, et ensuite que je remonte avec un ascenseur à redstone avec les dalles, et je renvoie le courant direction le hopper là, enfin le dropper là-haut. Donc si je peux monter, merci. Hop, on va voir. Allez, je récupère le signal là et je le renvoie directement dans ce bloc là. Et ce bloc-là, ça va avoir pour effet d'alimenter le dropper qui est à côté et du coup me cracher les items de sable que je recherche. Alors que l'élévateur d'items de celui-ci, vous voyez, si je mettais un bloc là-haut, juste à ce niveau-là, ça alimenterait le dropper qui est ici. Sauf que moi, je veux pas, je veux faire en sorte que les items qu'il y a là remontent sur le dropper mais soient pas crachés. C'est uniquement quand il y a un signal ici qui s'envoie que ça crache. Donc au final, dès que je balance un sable ici, ça envoie automatiquement un signal là-haut. Donc je peux garder juste un sable sur moi et remplir le bordel de sable. Je peux faire de la FK pépère. Voilà comment ça fonctionne. Pour remonter ici, je mettrai une coulée de dalles ici, tranquille. Parce que je pense que sur le côté, on n'a pas grand-chose à faire. Et je vais pas tarder à couper le rec parce que... Oh, y a les jardiniers qui commencent à faire du bruit avec les souffleuses. Et le problème, c'est que vu que je suis au rez-de-chaussée, on les entend hyper bien. Je les entends arriver. Donc, on va vite fait aller chercher le commentaire pour cet épisode. Et puis, on va se quitter, les amis. Ok, j'ai récupéré le commentaire de cet épisode-là. Et une petite chose à préciser aussi. On m'avait dit, ouais, t'as un coffre en tête de dragon. Effectivement, j'ai une tête de dragon. J'ai pu la récupérer quand j'étais dans l'end. Mais j'en ai qu'une seule. Hein, parce qu'après, en termes de tête, j'ai plus grand-chose. Il me reste une tête de creeper. Je crois qu'il en reste une ou deux dans la ferme à creeper. Et d'autres têtes que j'ai pu récupérer à droite à gauche. Mais sinon, voici donc le commentaire de l'épisode 162. Dans ta ferme à laine, pardon, mets des glass panes à la place des dalles. Vu que c'est plus fin. Et peut-être que tu pourras les tondre. Dis-moi si t'as pas compris. Can cacan. Je suis sûr que je le prononce mal, je suis désolé. Ah, tu me l'avais dit, mais je m'en souviens plus. Alors, justement, bah on va tester ça. Oh putain, j'ai pas grand-chose. Hein. Wool. On va aller changer ça, voir si ça fonctionne mieux. On va récupérer, voilà, une tondeuse. Donc, tu m'as dit d'essayer de mettre des... ça. Alors c'est vrai que ça peut peut-être le faire. Hein. On va retirer tout ça. Évidemment ça va me... Voilà, merci. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Hein. Tac, tac. Ok. Déjà, d'aspect, je trouve ça plus joli. C'est vrai que j'aurais dû y penser avant. Et yeah, je peux les tondre. Oh. Alors... voilà. Cancacan. Peut-être que ça se prononce comme ça. Désolé si vous entendez les souffleuses, hein, je vous ai prévenu. Hein. Cancacan, ton idée excellente. Donc je vais aller colorer des glaces. Et je vais mettre que des glaces ici à la place des dalles. Je trouve ça plus sympa. Et évidemment, en dessous, je mettrai du rouge hein, pour que ça reste en couleur de rouge. Donc je te remercie énormément pour ton idée, elle est vraiment géniale. Je montrerai à quoi ça ressemble. Bah, on va faire ça pendant l'épisode bonus, tiens. Ça va nous occuper. Du coup, bah, les amis, je vous laisse là. On se redonne rendez-vous dans l'épisode bonus avec les. J'allais dire un gros mot, avec les types derrière avec leur souffleuse. De toute façon, j'ai pas d'autres moments pour tourner, donc je suis obligé de tourner pendant qu'ils soufflent. Hein, c'est dommage. Bref, on se retrouve pour l'épisode bonus. Bye!